On s'est un peu égaré sur ce coup. On se retrouve avec un coup de 40 mètres et entre notre balle et le drapeau, on a un mur. Comment on fait? Les breaks 100, on va pas se mentir. Les murs, c'est pas notre truc. Alors qu'on soit à 50 mètres ou à 100 mètres, nous, on va pas passer au-dessus parce que sinon, on va s'enterrer au pied du mur. On va passer sur les côtés. Ici, deux options. Une petite trouée, une grande trouée. Je vais choisir la grande trouée. Une première approche dans la grande trouée et j'aurai un coup ensuite pour rejoindre le green. Je vais rejoindre ce green et la zone drapeau en deux coups. Bon les bogey players, nous on a 40 mètres pour le drapeau, 25 mètres jusqu'au muret et 15 mètres du muret jusqu'au drapeau. On va prendre notre 58, on va le gripper un tout petit peu plus court que d'habitude, on va faire notre 3 quarts de swing et on va l'assurer 10 ou 15 mètres derrière le drapeau. Allez, je vous montre. Voilà, j'ai chopé un bout de green, je fais mes deux putts et je passe au suivant. Alors nous les breaks 80, on va jouer la distance juste. On a étalonné nos sand wedges, d'accord? Donc je vais jouer mon 58 degrés façon sortie de bunker. Je vais ouvrir ma face de club, prendre un stance un petit peu plus large, descendre mon centre de gravité, descendre légèrement les mains sur mon grip et je vais utiliser les leviers pour faciliter l'angle de décollage de la balle. Celle-là, elle est vraiment pas loin, les gars.